lors de son arrestation, le dealer tente d'avaler 20 sachets d'héroïne. Un trafiquant de drogue tente d'avaler 20 sachets d'héroïne lors de son arrestation. Je vous rassure, il a misérablement échoué. La police de Springfield, dans le Massachusetts, a eu un week-end assez chargé après avoir saisi 1800 sachets d'héroïne prêts pour la vente de la cocaïne et 12 000 $ en espèces. Les trois trafiquants se sont fait arrêter William Villegas, Rosé Gomez, ainsi que le cerveau de la bande, mais le moins futé aussi, Abraham Leon, 44 ans. Dans les alentours de 13h jeudi après-midi, Abraham était en train de dealer sur Richelieu Street. Une brigade des stupes était déjà en train de l'observer depuis un certain temps, quand les agents choisirent le moment propice pour arrêter le vendeur de poison. Abraham s'est mis à paniquer et saisit 20 sachets de la brown sugar pour se la fourrer dans la bouche. Les officiers savaient très bien qu'Abraham ne pourrait pas avaler la bouchée de merde et finirait par la recracher. Celui-ci les aurait même crachés comme un distributeur de pèse. William s'est fait arrêter alors qu'il faisait une livraison. Roray, quant à lui, il était en train de fumer un wench dans sa voiture quand les officiers l'ont réprimandé jeudi soir. Les fonctionnaires ont arrêté Abraham pour possession d'héroïne avec l'intention de distribuer. Il sera traduit en justice devant une cour fédérale vendredi.